We'll be right back.
Là là, cette musique de Skyrim. Mais donc bonjour à tous, hein. Bienvenue à tout le monde ici présent. Merci pour les hôtes. Bienvenue à toi Champy, bienvenue Black, bienvenue à tous ceux qui sont en fufu actuellement. J'espère que vous passez un très bon week-end et merci Champy pour les 99 bits. Je ne sais pas ce que je ferai des 198 testicouilles qui vont avec, mais ce n'est pas grave. Merci à toi, merci beaucoup. Donc, effectivement, on se retrouve hein, pour Skyrim, hein, pour du Skyrim, puisqu'on va se lancer carrément dans l'univers Elder Scrolls, en compagnie de Skyvenhild, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, puisqu'elle elle m'a prévenu qu'elle avait un petit repas en famille en ce moment, et donc elle ne pouvait pas de suite venir. En espérant, hein, bien sûr, je vais combler en espérant que d'ici une quinzaine de minutes ou 20 minutes, hein, elle puisse me rejoindre donc, sur Discord pour pouvoir être avec vous et poser des questions en même temps que moi. Donc, comme je le disais, je vais combler rapidement en faisant une petite promo, hein, petite promo pour la semaine qui arrive à partir de demain, donc. Pour les intéressés, parce que c'est quand même très spécialisé, donc pour les intéressés, demain à partir de 16h, 16h et ce jusqu'à environ 23h, 23h30, on va avoir, donc c'est du programmé, des conférences, conférences sur l'Antiquité romaine, pour ceux qui s'intéressent. Avec plusieurs thèmes qui seront abordés, hein, donc à partir de 16h, ce sera le Colisée.
À 17h, ce seront les sports dans l'Antiquité romaine. À partir de 18h30, le stade de Domitien, qui est également très intéressant, puisqu'on peut en voir les traces via les constructions encore aujourd'hui à Rome. À 20h, le siège de Marseille, un siège de Marseille dont on ne parle pas réellement assez, puisque certes, Alésia en 52 avant notre ère, pour beaucoup d'entre nous, sonne la fin donc, de cette guerre des Gaules, mais en fait la guerre des Gaules se termine réellement en 49 hein, avec le siège de Marseille et donc la prise de, enfin, la reprise en tout cas de Marseille par Jules César. Ensuite, à 21h, ce sera l'enseignement sous l'Empire romain. Et à 22h30, le mausolée d'Adrien. Donc, ce sont des conférences qui sont organisées par le CIREV et l'Université de Caen, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, je vous invite d'ailleurs à découvrir la chaîne YouTube pour avoir d'autres conférences. De toute façon, qui seront diffusés ici petit à petit. Ensuite, mardi, Ciné Gaming à partir de 21h avec Wimambumi. Et après, le reste de la semaine, du mercredi au vendredi, ce sera du Far Cry en Ciné Gaming 21h toujours. Et dimanche prochain, ce sera donc Génération Télé. Dimanche prochain, 13h, Génération Télé. C'est très cinématographique cette semaine, hein, je vous le dis comme ça. Donc c'est pas plus mal hein, dans un sens. Du coup, bon, qui est présent? Alors, déjà, qui voudrait participer? Ou alors, je peux encore combler un petit peu. Salut à toi, Costa. Je peux toujours combler un petit peu hein, le temps que vous finissiez de manger tranquillement. Salut, Sansa, comment ça va? Histoire hein, voilà, bah, ne serait-ce que déjà vous, viewers, vous ayez le temps de finir de manger hein, et aussi de laisser du temps à Sky bah, de terminer son barbecue hein, aussi. Hein, on a vite fait de s'éterniser, hein, il suffit d'une ou deux bières, hein, trois saucisses de merguez, une chipo et voilà, hein, c'est quand même. C'est traître, hein, c'est de l'embuscade, hein, les barbecues en général, c'est de l'embuscade. Donc comme vous pouvez le voir, hein, petit overlay vraiment très spécial. Faut que je mange et je reprends mon marathon. Ah, marathon Dark Souls Black. Très intéressant, très intéressant. Très très intéressant. Du Dark Souls. Du coup, comme vous pouvez le voir, overlay hein, vraiment spécial. Elder Scrolls, quoi, hein, avec en fond, vous pouvez le voir en diaporama, hein, différentes images hein, tirées de Skyrim. Et je vous ai prévu un petit connard dansant. Hein, un petit connard dansant que voici d'ailleurs, regarde-le, il est content, il est bourré. Hein, en même temps, hein, il tourne. Il est comme Sky là, actuellement. Hein, il tourne certainement à l'hydromel. Donc voilà. Hein, je pense qu'on va retrouver tout à l'heure une petite Sky Vinyl qui sera tout à fait imbibée. Je reste correct hein, en disant imbibé. Non, je taquine, je taquine. J'en ai fini avec le. Ah ouais, donc là tu commences le 3, d'accord, ok. Ok. Bah, ça va, le 3, bah, je connais pas les autres hein, personnellement, mais pour avoir vu certains streamers dont je tairai le nom sur Dark Souls 3. No comment. Ça a donné lieu à des chansons, c'est tout ce que je peux dire. Ils se reconnaîtront. Hein, bah. Il se reconnaîtra plus précisément. Du coup. Et salut Choupichef, comment vas-tu? Oui, là on discute de Dark Souls, puisque effectivement Black va reprendre son marathon Dark Souls tout à l'heure. Donc on parle un petit peu de ça. Tout à fait, Costa. Tu as tapé pile. C'est exactement. Ouais, c'est tout à fait notre Sansa nationale
qui a donné naissance à une magnifique chanson sur Black Soul. Sur Dark Soul, pardon. Du coup, hein, je sais pas si vous avez fait attention, mais voilà, Streamlabs propose plusieurs nouvelles choses qui sont plutôt assez intéressantes, hein, dans un certain sens. Hein. Même si je dirais que c'était pas la priorité, hein, parce que je reviens encore et toujours sur ce que je maintiendrai à dire tant que ce sera pas l'effet contraire. Twitch ferait quand même mieux, hein, de réparer ses bugs plutôt que de vouloir faire des applications plus qu'il n'y a de bugs. Hein. On dirait que, ah, il y a un bug, vite, faut faire une application, hein, pour essayer de faire oublier le bug. Oui, mais non, on n'oublie pas les bugs. Il est là le problème, c'est qu'on les oublie pas. Donc arrêtez un peu de faire des applications, hein, monsieur et mesdames de Twitch. Et concentrez-vous à la réparation de vos bugs, ce sera très intéressant. Hein, voilà. Parce que si à chaque nouvelle application on se tape une quantité phénoménale de bugs, c'est vite fait très chiant. Hein. Donc voilà, cela dit, voilà le petit truc avec les partenaires et sponsors, bon, c'est intéressant. Encore une fois, c'était pas la priorité, mais ça reste intéressant. Ah oui, mais complètement, ça dénonce. Après, ils ont mis en place une boutique aussi. Ils ont mis en place une boutique pour ceux qui ne savent pas. Streamlabs, donc toujours en accord, hein, en collaboration avec Twitch, hein, ont mis donc en place une boutique. Donc vous pouvez trouver le lien un petit peu plus bas dans les infos de la chaîne. Là, très honnêtement, autant les partenaires sponsors. C'est vrai que ça pouvait manquer, même si ce n'était pas forcément la priorité, puisque en général les partenaires et sponsors sont au moins mentionnés dans les chaînes des streamers. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de rajouter un lien sur les overlays, en tout cas pas tout de suite. Par contre, la boutique, très clairement, ça pouvait attendre 2, 5, voire même 10 ans. Hein. C'était pas, on n'allait pas en mourir. Hein. Donc voilà. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc du coup, on prend ce qui est pas trop mal, hein, on prend aussi ce qui est bien sûr, même si, voilà, je le répète, il y avait d'autres priorités. Ah non, parce que bon, tu rentres du taf, hein, tu veux aller sur Twitch, je sais pas, tu veux faire une modif sur ta chaîne, hein, par exemple sur les infos de ta chaîne, bah tu peux pas, des fois tu peux pas, t'as un bug à la con, il t'empêche carrément d'accéder à ta chaîne, enfin aux infos de la chaîne, voilà, c'est. Et ça, voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, donc moi je trouve ça très chiant, hein, personnellement. Alors, j'imagine bien sûr que c'est parce que Twitch. Fait, hein, continue à faire des applications, hein, entre Streamlabs OBS, la boutique, les machins. C'est bien beau de faire des applications, mais messieurs et mesdames, hein, bien sûr, la parité oblige, essayez déjà donc de réparer, hein, correctement vos trucs, et puis quand vous faites une nouvelle application, évitez de reprendre les programmes qui ont merdé avant, hein, ce serait pas mal. Vous savez que ça a merdé, vous n'avez pas une réparation de vos lignes de commande, il se passe quoi alors? Y a pas un truc, vous prenez l'ancien modèle des lignes de commande, vous faites un copier-coller à la con, puis après vous étonnez qu'il y a des plaintes. Bah, oui, forcément, c'est normal. Alors. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous, est-ce qu'au moins trois d'entre vous voudraient tenter leur chance, hein, sur les questions concernant Elder Scrolls? Il y a vraiment de tout. Il hein, y en a, bah, comme d'habitude, il hein, y en a des faciles, il y en a des moyennes, des difficiles. Il y en a qui peuvent paraître difficiles, alors qu'en réalité, il suffit de spammer pour pouvoir trouver une réponse. Hein, vous fiez pas toujours à hein, l'énoncé de la question, attention, ça c'est très important. L'énoncé de la question est souvent très tordu et la réponse est souvent très facile. Donc, pour ceux qui veulent participer, je répète, hein, vous faites connaître sur le chat de Twitch, je vous donne l'accès à Discord.
ainsi que le rôle correspondant, vous me rejoignez ensuite dans le salon approprié. Petit détail qui diverge par rapport à un QPV classique. Ici, il n'y a pas de catégorie de questions. Pour les 20, zéro catégorie de questions. C'est-à-dire que dès le départ, pour avoir nos trois finalistes, lors des trois premières manches, il va falloir répondre le plus vite possible. Et le premier qui me donne la réponse, mon chat faisant foi, obtiendra le point. Donc le premier des trois participants des manches qui arriveront à 5 points seront en finale. A savoir que les finalistes, comme d'habitude, repartiront avec une clé Steam au moins pour les deux perdants, en tout cas. Et le gagnant de cette émission Event Elder Scrolls, repartira avec des goodies Elder Scrolls, bien entendu. Cela va de soi. Donc il y aura un coucou ma Sky, comment ça va? Donc je t'attends hein, Sky, je t'attends sur Discord. Donc à savoir qu'en goodies il y aura donc un puzzle de la carte de Tamriel, et merci pour le host Sky, donc un puzzle de la carte de Tamriel, un mug et puis certainement d'autres petites choses qui arriveront un petit peu plus tard. Voilà. Pour le moment je n'ai pas encore tout reçu malheureusement, hein, c'est l'inconvénient. Là, c'est bon, voilà. Et pourtant je me suis pris assez tôt. Salut à toi Poab, comment vas-tu? T'as bien mangé, ma Sky? C'est bon le barbecue? On était en train de dire que t'étais en train de tourner là, un petit peu comme le monsieur là, tu vois, là. Un petit peu comme le mec là qui apparaît là actuellement sur l'écran. Hein. Je t'imaginais très bien autour de 4 chipots avec, voilà, bah comme lui, voilà, une bière à la main et une corne de l'autre. Hein, voilà. Alors, allez. Qui a envie de participer? Je répète, on se fait connaître sur le chat. On dit moi je veux, et je donne bien sûr les. Voilà, c'est bon. Normalement, on doit t'entendre, ma Sky. Ah bah non, attends, pas tout de suite. Ah, Voilà, c'est là ça devrait mieux. aller. Voilà, Oui. normalement, ça Bonjour devrait tout être le bon. monde. Comment C'est vas-tu? bon. Ça va bien, ça va bien. J'ai le ventre rempli, tout va bien. Ah bah, Je très bien, très prête. bien. Oui. Est-ce que vous l'entendez bien? Bah moi je retourne, je t'entends bien donc après. Alors, est-ce que quelqu'un veut participer? En plus, j'ai refait mes fiches au propre. Ça devrait aller vite. Ah, impeccable, impeccable. J'ai mis des belles couleurs. Pour pas me Donc tromper. moi j'ai tout mélangé hein, mes fiches hein, bien sûr. Faudra retrier après. Pas être dans l'ordre hein, sinon c'est Ouais, bah, ce sera marrant, c'est. bah oui sinon c'est pas marrant exactement. D'ailleurs on commence par quoi? Ah mais ça va, c'est pas trop compliqué la première. Oh ça se complique après mais Ouais, il y a des questions bien, bien floues. ah oui mais Ça va être comme. marrant. Ouais, exactement. Et comme je disais là tout à l'heure avant que tu arrives, certaines questions vont paraître très compliquées alors qu'il suffit simplement de spammer le chat pour pouvoir trouver la réponse. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. J'ai trop participé, perso. Bah, essaye un hein, champi. Bah ouais, tente ta chance. T'es pas à On l'abri sait jamais. de gagner, hein. Encore une Non, fois. c'est clair. Même si vous connaissez pas le jeu, tentez, c'est pas grave, c'est fun. Oui, Vous voilà, de toute apprendrez façon, on est là des pour se intrigues. marrer. Hein. On est là pour se marrer. Comme ça, ce qui est bien, c'est que quand Sky reprendra du Skyrim, hein, par exemple, ben vous pourrez lui dire: Non, non, mais en fait, là, t'as dit une connerie. C'est ça, exactement. Ah, mais il n'y a pas. Non, mais alors, justement, j'ai pas voulu rentrer trop avant dans le lore. Parce Non. que bon après effectivement à moins d'aller chercher carrément les des joueurs chez Bethesda hein, C'est ça. ça aurait été un petit peu impossible. Non non c'est vraiment on On est survole en hein. tout, ouais.
On survole l'ensemble, mais sans rentrer dedans, quoi. Ah, c'est sûr que ouais, y a des questions que tu trouveras facilement, champion. Ah oui. Ah oui, mais complètement. C'est impossible que tu fasses du zéro point, je pense. Ouais. Oui. De toute façon, en général, c'est fait pour, hein, pour avoir Ouais, bah au ouais. moins un point. Après, ça peut arriver quand même, hein. Ah oui, c'est sûr. Ça peut arriver quand même. Donc, du coup, hein, je rappelle la semaine prochaine, à partir de 16h, lundi, hein, 16h, 23h, 23h30, conférence sur Rome pour ceux que ça intéresse. Tiens, je l'en mets dans mon Discord pour les gens. Oui, t'as vu la belle découverte archéologique là? Ouais, C'est joli. elle est pas mal, Ah ouais, non, on fait des jolies découvertes en ce moment, je trouve. Bon, ça me rajeunit pas, cela dit. ouais. Hein, mais bon. Et GG pour les level black et choupi chef. GLVL. Ah, ils sont pas très chauds, hein, ils sont pas très chauds là, je trouve. Hein, Ouais. quand même, ouais, c'est... Ah, Ils ils ont sont pas envie de là, tenter. ouais, non, ils disent, ah non, je vais trop choper la honte. Bon, nous on s'en fout d'ailleurs, hein. La semaine prochaine, c'est les conf. Ah oui, c'est les conf. Non, mais la semaine prochaine, demain? Non, ouais. Le 3, c'est le week-end prochain, il me semble. Hein. Enfin, ça Quoi? commence. Il y a des belles questions sur Oblivion. Participe. Ah oui, en plus, ouais. C'est vrai. C'est très vrai. Ouais, un peu tout, surtout, hein, vraiment, Ouais, il y a surtout les du tout jeux, ouais. premier jeu. Ouais, Ça Et vaut quand même pas grand chose. quelques questions également sur Bethesda lui-même. Celle-là, bon, j'avoue que c'est quand même à moins d'être un pro de chez Bethesda, mais sinon, celle-là, j'attends pas de réponse. Hein. Je suis franc, hein, direct. Il y a très peu de chances d'avoir la réponse. Et même si je donne la Ouais. réponse maintenant, quand la question sortira, c'est pas dit que vous vous rappeliez de la question, de la réponse. Ouais, elles sont pas évidentes. Ah. La blague qui veut bien participer? Ah, Black. Donc Black, je sais plus si tu es Oui. à mon Discord. Donc au pire des cas, je te repasse. Voilà, c'est le dernier lien. Sinon, il y avait aussi les infos de la chaîne. Alors Black va participer. Black, qui, je le rappelle, fait un marathon Dark Souls. Dark Souls, ouais. Je suis passé tout à l'heure. C'était très bien, bien sympa. Et tout à l'heure, on avait un sans ça en fufu. Oui, il est toujours là, sans ça en fufu. Sans ça, et peut-être que il voudra participer sans ça. Va savoir. Quel est l'autre surnom de Bethesda? Vous avez 2 heures. Ah, bah, l'autre surnom de Bethesda, c'est Beta. Hein, mais tu sais, comme le mec est un peu fada, un peu tout fou, quoi. Ah, pas comme a fait Twitch avec sa nouvelle version et plein de bugs depuis octobre dernier. Laisse Hein. tomber, quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, non, mais j'ai déjà tenu un discours pas loin de 5 minutes, hein, là-dessus. Ouais, j'ai vu la mage, tout ça pour l'esthétique, mais qu'est-ce qu'on en a? Ah oui, mais complètement. On va plutôt bosser sur la qualité des vidéos et autres, là. Oui, déjà aussi, oui. Oui, c'est vrai, ça j'ai pas parlé par contre, mais oui, au niveau de la qualité des vidéos. Non, il y en a beaucoup pire là. Ouais. Je sais pas Oui, pourquoi. c'est vrai, ça j'ai pas parlé par contre, mais Donc Black, hein, je sais pas si tu es arrivé sur Discord. Oui, tu es là, très bien. Donc je t'accorde le rôle de participant et tu peux donc nous rejoindre. Tu peux donc nous rejoindre sur Discord. Au pire, je te glisse, hein, c'est comme tu veux. Ah, mais Bah. t'as pas de micro, Black? T'allais dire quoi, Sky? Non, par rapport à ce que Champy disait, les bots, ça gêne pas trop. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, insuffisé, je pense. Parce qu'il y a le Commander Root aussi qui a un bot de Twitch. Et oui, Mais là c'est pas on trop a gênant, comment, ça. ouais, on a les electrical machin, le commande Ouais. bidule et ainsi de suite. Hein. Des fois on est deux, hein, et il va y avoir quatre bots, quoi. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai que des fois, un suffit amplement. Bah après, qu'il y en ait plusieurs, non, pourquoi pas. Mais essayez d'aller sur des chaînes différentes. Bah, ça sert à rien de les envoyer tous sur les mêmes chaînes. Il n'y a aucun intérêt. Ouais.
Ou alors faites un seul bot, mais qui regroupe l'ensemble des données que Bah, c'est récupèrent ça, quoi. ces bots-là. Après, c'est vrai que ça affausse les stats, c'est un peu chiant. Bah oui, c'est... Enfin bon. Allez, encore deux autres participants pour cette première manche. Allez, encore deux autres participants pour cette première manche. Et c'est... Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Costa, non, tu... ça te tente? Trop de bottes. Costa, non, ça te tente? Choupi chef, Costa. Choupi. Ah ouais, ça en On va fait pas mal, pouvoir hein. pour débuter la première manche, les amis. Ah ouais, ça... Ce Ah, serait mais... Greg qui va partir à 14h, donc là, ce serait cool que je Ouais. puisse Ouais. faire au moins une Ah, il manche va avant partir à 14h. 14h, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, C'est Costa, pas grave, avance. ça, Costa. Faire au moins une manche avant 14h. Pas grave du tout. Pas grave, Costa. Pas grave, ça, Costa. Ah, on est déjà à 14, et à mon avis, c'est les bots. On est déjà à 14, et à mon avis, c'est les bots. Avec cette quantité de bots là, je suis sûr qu'ils pourraient rebaptiser Twitch Vuitton. Avec cette quantité de bots là, je suis sûr qu'ils pourraient rebaptiser Ah, Twitch. Champi! Y a Champi. Champi. Ouais. Champi. Ah, Il Champi. Ouais. participe. Et Champi va Costa tenter sa chance. aussi. Et Costa également. Ça va nickel. C'est bien les gens. Donc, un même tarif, je vous attends sur Discord. D'ailleurs, Black, est-ce que tu nous entends bien? Donc, un même tarif. Fallait les motiver. Alors, où est Champi? Où est-ce qu'il se cache, monsieur Champi? Fallait les motiver. Je nous entends parfaitement, là, c'est Ah, il est nickel. là, il est là. Où est-ce qu'il se cache? Hop. C'est Voilà. nickel. Eh ben, c'est parfait, hein. Donc, même tarif que habituellement, hein, timer de 30 secondes pour pouvoir donner la réponse. Contrairement, je le répète, contrairement à un QPV classique, c'est chacun pour sa gueule, il n'y a pas de catégorie, c'est pas une, vous n'êtes pas interrogé individuellement. Est-ce que tu nous entends bien, Champi? Et Costa également. On répond toujours sur le chat de Twitch et c'est à peu près tout. Je crois n'avoir rien oublié. Est-ce que vous êtes prêt? Sky, est-ce que tu es prêt aussi? Ah, moi je suis prête. J'ai mes fiches devant moi. Donc on va commencer par la fiche 9. Ok. Ah, moi je suis prête. J'ai mes fiches devant moi. La 9. On va commencer par la fiche 9. Donc je fais la première question, hein, comme on avait dit, toi la deuxième, ainsi de Ouais, suite. ok. Alors. Première Première question, je vérifie que le timer fonctionne bien correctement. Oui. Première question. Dans quelle région du continent de Tamriel se trouvent les villes de Anvil et Skingrad? question. Dans quelle région du continent de Tamriel se trouvent les villes de Anvil et Skingrad? Et c'est Champi. Cyrodiil, effectivement. C'est donc du Oblivion, hein. C'était dans Oblivion. Anvil et Skingrad sont effectivement des deux villes, hein, dans la région de Cyrodiil. Donc ce n'est pas Alloche, hein, bien sûr. Loche, d'ailleurs, c'est Loche du Haut, hein, c'est avec la ville Loche. Hein. Ça, c'est au Boukistan. Hein, c'est voilà, c'est la Loche du Haut. Hein, c'est donc la région, l'extrême nord, hein, du Boukistan. Très beau pays d'ailleurs, hein, que je vous invite à visiter. À toi, Sky. Alors, question suivante. Donc, Sur le on est continent au de Boukistan. Tamriel, comment se nomme la région située au sud-ouest? Alors, question suivante. Sur le continent de Tamriel, comment se nomme la région située au sud-ouest? Non. Non. Non, Black. Par contre, garde ta réponse pour plus tard, on ne sait jamais. Ça met la région. Non plus. C'est bien tenté, mais non. Encore 5 secondes. C'est bien Et fin de timer. Est-ce que quelqu'un connaît tenté. la réponse?
Le truc des Non, rouges non. gardes, Non, champignons non non, pas plus. du tout. Les rouges gardes, c'est au nord. Non, du tout. C'est une race qui a les oreilles pointues. Oui, effectivement. Ça, c'est la race aussi, champignons. Enfin, en même temps, Elsewhere aussi hein, fait partie du royaume elfique. Oui, remarque, c'est vrai aussi. Mais pour le coup, c'est pas ça. Ouais, bah, il n'y a personne qui a l'air Personne de ne l'avoir. l'a? Bon, bah, vas-y, donne la réponse alors. Bah, il s'agit du Valboisé. Eh oui, On peut. Valboisé. Il y a aussi. En anglais, c'est Valenwood. Aussi. Les deux réponses étaient bonnes d'ailleurs. Voilà, oui, les deux réponses étaient possibles. Valboisé. Donc Valboisé, Ouais. effectivement, on est vraiment au Exactement, ouais. sud-ouest du continent de Tamriel. Autre question sur le continent de Tamriel, comment se nomme la région située à l'est de Valenwood et au sud de Cyrodiil? Champy a retenu le fait hein, qu'il fallait garder la réponse Elsewhere de tout à l'heure. Effectivement, Champy marque donc son deuxième point avec cette question. Fiche numéro 6 maintenant. Numéro 6. Ouais, ah par contre, oui, tu t'es trompé. Ouais, c'est Costa qui a c'est Costa, répondu oui, très juste. en premier, en effet. Oui. Ouais. Pardon, Je l'avais Costa. point vu non plus. Je l'avais pas fait attention non plus. Bien vu, Costa. Ensuite, donc fiche numéro 6. Quelle constellation gardienne a comme saison onde de pluie? Donc là, hein, spammer. Hein. Spammer des trucs qui peuvent exister hein, dans les Ouais. mondes un petit peu médiéval fantastique. Hein, du style guerrier, cheval, machin. Enfin voilà, spammer des trucs comme ça. Ouais. Donc ça, mais Ça c'est pas là. correspond un peu aux classes qu'on peut choisir, entre Ce guillemets. n'est pas le poisson, ce n'est pas la tour. 5 secondes encore. Le oui, et c'est Champy sur le fil. Champy le mage, effectivement. GG Champi. À toi, Sky. Alors, quelle constellation majeure a sous sa protection l'amant, l'ombre et la tour? Le Nadjard. Ça aurait pu, ça aurait pu. Ne serait-ce que pour l'amant, avec le côté pointu du petit chapeau du nain, ça aurait pu. Si vous réfléchissez bien, c'est assez logique, je trouve. Oui, c'est très Les logique, trois sont liés, l'amant, l'ombre et la tour. 5 secondes. Black, c'est le Ah voleur, ouais, effectivement. exactement, ouais. Bien joué, Black. Bien joué. Citer deux constellations mineures de l'univers de The Elder Scrolls. Deux constellations mineures. Ben, géant. Donc ce n'est pas le nain géant, bien sûr. Il reste 10, un peu plus de 10 secondes. Tout à l'heure, vous en avez cité, hein. Vous avez cité un tas de trucs et je crois qu'il y en avait au moins deux qui étaient dedans. Hein. Et dans les questions, il y en avait également. Le Ouais. timer est à zéro, malheureusement. Dommage. Donc bah, là, on va même pas mettre la vie viewer, hein. Ça ne sert à Dommage, rien. Costa, t'en Oui, avais c'est. Ouais, effectivement, effectivement. Alors, les constellations mineures dans l'univers de The Elder Scrolls sont la Dame, le Destrier, le Seigneur, l'Apprenti, l'Astromaque, le Rituel, l'Amant, l'Ombre et la Tour. Mais moyen d'avoir le point. Après, c'est vrai que quand on connaît pas, c'est bien de sortir Bah, les noms par après, là. vu que c'est un univers médiéval fantastique, en général, on retrouve les mêmes noms, peu importe l'univers. Ouais, c'est vrai. Pas forcément dans des constellations, mais c'est des termes qui reviennent très souvent. Oui, c'est pas faux. C'est salut à toi, docteur Traplan. Fiche numéro 17. Quelle race précéda les Dunmer?
Alors, ce ne sont pas les Falmer. Et ça fait déjà 2-3 fois que tu Presque. nous sors Falmer. À mon avis, quand il faudra dire Falmer, tu ne trouveras pas. Ce ne sont pas les Homer, mais l'idée est là. Hein. C'est une bonne idée, j'accepte ton idée. Une race entière composée de Homer, ça peut être rigolo. Donc fin Vous du êtes pas loin, timer. vous êtes pas loin. Oui, ils C'est sont pas dommage. loin. Ouais. Ils sont pas loin. Ils sont effectivement hein, avec les trucs elfiques, hein, puisque voilà, Bah ouais, on ils est sont en pas loin R, à mais chaque fois. ce n'est pas les grands-mères non plus. Ce ne sont pas les Doemer. Ces personnes-là, c'était donc les chimères. C'était les chimères. C'est vrai que ceux-là, on les connaît pas trop, effectivement. C'est pas les plus Pas connus. présent, ouais, pas trop présent dans Mais le jeu. voilà, chimères. Enfin, je pensais que. Moi, quand j'ai fait la question, je me suis dit, ah, ils vont trouver un truc en R, ils vont faire. Bah, ça, grand-mère, je l'attendais, hein, très clairement. Il y avait ta mère aussi, je l'attendais aussi. Mais chimère, voilà, je l'attendais également, et bah, je l'ai pas vu. C'est dommage, c'est dommage. Question suivante, c'est à toi, Sky. Alors, qui était le chef de culte de l'aube mythique? On entend parler dans Oblivion notamment. Peut-être que je mette le timer, ça pourrait être pas mal. Non, Et ce n'est c'est pas pas Mira, non. Mirak. Le chim. Non, ce n'est pas un paladin. Il reste un peu plus de 5 secondes. Curton. Non plus. Alors, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse parmi les viewers? On va voir ça. Qui est donc qui était le chef du culte de l'aube mythique? Ce n'était pas Obi-Wan Kenobi, mais il aurait pu, effectivement. C'est vrai qu'il aurait pu appartenir à l'aube mythique. Ce n'est pas D, la réponse D. Ce n'est pas une kippa surgelée non plus. Puisque la kippa surgelée, c'est comment appelle-t-on un pancake qui est tombé dans la neige avant un 31 décembre, bien sûr. Ce n'est pas la réponse 42. Non, Je c'était. l'attendais. Vas-y, donne la réponse, donne la réponse. Ben, c'était Mankar Cameron. Cameron, pardon. Le Voilà. prononce mal. Mankar Camoran. Question suivante, comment appelle-t-on les cycles du temps de Nern? Ça, par contre, c'est une question que je ne savais pas du tout. Là, on en parle énormément, en fait, dans. C'est un terme qui est utilisé quasiment dans tous les jeux. Ah ouais? Ah oui. Ah Bah non, oui. j'ai jamais entendu. Donc ce n'est pas une timeline. Ce n'est pas un time code. Pensez même pas à utiliser le mot temps. Non. Non. Fin du timer. Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Ce n'est pas une année, ce n'est pas une période. Les cycles de temps. Sur Nern, hein, Nern étant la planète sur laquelle sont les continents de Tamriel, d'Akavir et autres, hein, et d'Atmora entre autres, se nomme pardon, les Kalpa. Ce sont les Kalpa. À toi, Sky. Alors, celle-là, c'est une question donnée. Hein. Oui, Alors, clairement. Oui. dans Skyrim, quel groupe de moines apprend aux joueurs à se servir des cuisses? Des cris? Chris. Des cris? Des cris. Bah oui, sinon ça fait Jésus. Bah oui, voilà, toi, des cris, voilà, opticien, voilà. Ce ne sont pas des opticiens. Et c'est Black qui a la bonne réponse avec les grises barbes, effectivement. Black qui égalise Champi.
Ce sont pas donc les opticiens Chris, malheureusement. Cela dit, ça aurait été très drôle. J'avoue que là, ça aurait été franchement très drôle. Voir une bande d'opticiens, hein, avec des logos, hein, Chris, Atoll, etc. Ça aurait été franchement marrant. Fiche numéro 14. Oui, bah oui, c'est ça, faut, hein, voilà, exactement. Que veut dire Elder Scrolls? Ouais, c'est Black Mirror. Enfin, non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait, mais on va l'accorder, Ouais. hein, on l'accorde. Effectivement, Champy est pas loin non plus. Hein, donc c'est Ils pas tout sont à à fait peu les près vieux dans la même parchemins. ligne. Ouais, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas le rouleau des anciens. C'est en fait le, c'est un mélange des deux. Hein, c'est le parchemin des C'est anciens. ça. C'est le parchemin des anciens. Donc à la rigueur, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on peut accorder un point à chacun. Ouais. Moi, je serais de cet avis-là aussi. Voilà. Ça signifie défaite de Costa. Mais non, Costa, c'est pas fini, il y a encore de la question. À toi, Sky. Alors, sur quelle planète se déroulent les événements de The Elder Scrolls? Celui qui me donne pas la réponse alors que je l'ai donné il y a 5 minutes, voilà. Donc ce n'était, bien sûr, Costa, ce n'était pas P4X 639, mais c'est bien tenté. C'est bien tenté. Là, par contre, c'est Black, hein, qui marque le point bien avant. Voilà. Donc c'est Nern, effectivement, la planète. Et P4X639 étant une réponse, hein, qu'il faut me donner quand je donne les questions sur Stargate, hein, bien sûr. Que veut dire Oblivion? Non, non, Black. C'est pas... Ah, Champy est pas loin avec ses Ouais. oubliettes. Vous êtes pas loin, ouais. Oui, c'est Black. Et voilà, donc Black, avec son néon, marque ses 5 points et va donc en finale. Bah, par Néon. contre, Black, vu que tu vas pas tarder à partir en marathon, à reprendre ton marathon, est-ce que tu penses pouvoir être disponible à la finale ou pas du tout? Tu laisses ta place, ça marche. C'était juste pour savoir, parce que du coup. Bah du coup c'est le deuxième, hein, c'est Champy avec 3 points. Champy avec 3 points qui arrive J'ai level. donc en finale. Et GG pour les levels et merci. Il y a eu un truc là. Ouais, la Merci la Cortana qui m'a mis un Cortana. post. Allez, coucou à toi. Et bienvenue à toi, Miss. Bah ça va, vous en sortez pas mal, je trouve. Oui, Vous trouvez 5, des bonnes 3, réponses 1, quand même. Costa a sauvé l'honneur. Parfait. Bah ouais. Parfait, parfait. Du coup, ben Black, est-ce que tu veux quand même continuer la partie pour cette seconde manche? Costa aussi. Après, est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? Avec un copier-coller de Black, j'aurais sorti à chaque question. C'est pas mal, c'est pas mal. Et oui, GG level, hein, Choupichev, bien sûr. J'avais pas fait attention, mais GG à toi. Alors. Ça marche, Black, y a pas de soucis. Ça marche. Bah bonne fin de marathon à toi. Bah oui, bah bon Parce que t'as marathon, ouais. Dark Souls 3, donc t'es bientôt à la fin. Je sais pas comment sont les autres, mais je sais que le 3 est très chiant. Donc bonne chance. Et merci du host, Costa. Alors. Du coup, qui veut participer? Il y a qui là en fufu, je regarde là. Je
Il y a son sac qui est planqué là depuis tout à l'heure. Il y a Poib Ouais. aussi qui se fait petit hein, depuis le début du jeu. Il y a peut-être la Cortana qui doit participer. Peut-être, oui, peut-être. La Cortana, ouais. Même si vous y connaissez rien, les amis, c'est pas grave. Oui, on Tentez. s'en fout, on est là pour rigoler. C'est clair. Puis même, il y a des questions qui sont assez logiques, c'est assez facile à trouver. Ouais. Bon, la prochaine qui arrive, pas forcément, hein, mais. Ah, faut être honnête, hein, celle qui va arriver. Je m'attends à aucune réponse. Je suis C'est là, ça. j'écoute. Pas de soucis, quoi. Bon, allez, participez les bots de Twitch. Ah, je verrais bien un duel, hein, franchement, entre Commande Route hein, et Electrical Skateboard. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ah, par contre, je sais pas si on entend le retour, j'espère que non. Oui, bonjour, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas intéressés par les Jéhovah. Pour faire de la pub. Oui, parce que bon, après, moi ça fait spammer le problème. Si je fais trop de pubs, ça tue la pub. Donc, j'en fais un petit peu et après, terminé. D'après. Alors, c'est étonnant que Dovan soit pas là. Il était là hier soir. Il regardait les rediffs Ouais, je pensais God qu'il of a eu en War. plus il a peur, mais... Ah, il va peut-être arriver plus tard. Je sais pas. Possible, ouais. Ah, je crus voir arriver un Tony Hawk, et bienvenue à toi Tony Hawk, comment vas-tu? Salut Tony. Eh ben ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu as envie de participer Tony Hawk? Nous en sommes à la seconde manche, hein, qui n'a pas commencé encore d'ailleurs. Et j'ai pas fait attention si Costa veut retenter sa chance ou pas, parce que... Oh, merci Champy pour le sub. J'ai le sub. Merci beaucoup. Tu as Et accès, à hein, bien plus, sûr, Black. au petit. Et oui, bon marathon, hein, Black. Donc Champy, tu as accès au petit icône sub. Hein, voilà. Alors, moi, je ne sais jamais comment je vais. Oui, c'est vrai. Tu le dis souvent. Du coup, par contre, Costa, j'ai pas vu si tu voulais retenter ta chance. Ouais, oh oui, c'est vrai que tu voulais participer contre les bots, effectivement. Ah, c'est un concept hein, très intéressant. Mais bon, à savoir que derrière, il y a peut-être une armée de développeurs et de programmeurs hein, qui peuvent très bien leur faire dire les bonnes réponses. Eh ben, c'est sur quoi le QPV d'aujourd'hui? C'est sur le thème de The Elder Scrolls dans sa généralité. Alors. Ah oui, non mais complètement, oui, il a toutes ses chances, hein. Autant que n'importe qui, parce que finalement les Non, c'est sûr. questions sont pas si compliquées que Ouais. ça. Du moment qu'on est à peu près regardé un stream ou alors fait un jeu de cette licence Elder Scrolls, on peut au moins répondre à une question. Donc, on s'en fout, Tony Hawk. Il est là pour le fun. En plus, on apprend plein de choses sur l'univers. Hein. Comme ça, Bah, dans la dès que vous mesure du serez sur possible, ouais. un stream Elder Scrolls, vous pouvez ressortir. Voilà, exactement. Ça, vous pourrez aller Vous voir tous les streamers de Twitch qui font du Elder Scrolls, puis leur dire, oh non, non, tu pourrez vous racontes de la la merde là. T'as dit une connerie, c'est pas juste, non. péter. Bon, après, vous serez pas incollable, hein, parce que je rentre pas dans le lore détaillé avec les questions. Oui, c'est sûr. Mais au moins vous pourrez tenir hein, une conversation avec un streamer spécialisé sur du Skyrim hein, par exemple ou du Elder Scrolls Online ou du Oblivion, hein, ça se fait encore.
Pas trop sur Twitch, malheureusement. J'en ai pas trop vu. Ah bah si le casque n'est plus de ce monde. RIP à lui, hein, je dirais Requiescat in Pax, ou in pace, hein, en italien, mais pourquoi pas, hein, c'est voilà, hein, c'est. J'espère que tu l'enterrais avec honneur, voilà, qu'il se retrouve aux Champs-Élysées maintenant, hein, bien sûr. Pour moi, bien ce film avec Tom Cruise, si je parlais très très loin. Ah oui, en effet, ouais. Ah oui, effectivement, oui, ah bah ouais, c'est. Ah oui. Cela dit, le film était pas si mal, hein. Enfin, il y a Ouais, mieux, je hein, l'ai vu mais. aussi, mais ouais, ça va. Mais bon, voilà, hein, c'est. Disons que. Pour le film Oblivion, il ne faut pas savoir que c'est un film des scientologues, pour des scientologues, avec des scientologues. Si C'est on ça. exclut ce côté-là, le film est pas mal. Je me fais honte à moi-même quand j'entends le retour, ça c'est aberrant. Bah alors les gens là-haut, Ouais, ils sont c'était pas, bien ils sont pas alors? chauds, hein. Ils sont pas très chauds, hein. Il faut peut-être leur remettre un petit bonhomme dansant, je sais pas, on va tenter, hein. Un petit bonhomme dansant, là, regardez-le comme il est content. Lui au moins il est chaud, lui. Enfin, en même temps, c'est peut-être l'alcool qui fait ça, hein, parce que Ouais, je pense que lui, c'est là, il a. l'alcool Ouais, surtout. parce que là, il a l'air bien parti. Donc pas ce lundi-là, hein, mais le lundi de la semaine prochaine, hein, vous aurez donc le reportage sur sur le Manga Mania où j'étais hier. C'est une très bonne question, Champy, je cherche. Peut-être Eyes Wide Shut, avec Nicole Kidman et Tom Cruise, où je ne suis pas convaincu que les scientologues aient approuvé les scènes de nu. Hein, mais outre cela. C'est vrai que c'est pas évident d'en trouver un, hein, qui ne soit pas avec eux. Et le pire, c'est que même la guerre des mondes, hein, il y a des références à la scientologie dans la guerre des mondes. Enfin, pas dans l'histoire de la guerre des mondes, mais dans les J'ai jeux. jamais prêté attention, Ouais, ça. à un moment donné, il porte un bracelet ou je sais plus quoi, Tom Cruise dans ce film, mais en fait, c'est un bracelet Ah, j'avais pas typiquement vu. de la scientologie. Enfin, je crois que c'est un bracelet, enfin il porte un bijou quelconque, je sais plus ce que c'était. C'est plutôt les Champs-Élysées qui. Non, mais pas les Champs-Élysées de Paris. Hein. Les Champs-Élysées c'était dans les Tartares. Hein, c'était en gros. Donc les Tartares, hein, je rentre pas dans le détail bien sûr, mais les Tartares sont divisés en différentes parties. Hein, on a l'enfer, on va retrouver une sorte de purgatoire et on va avoir une sorte de paradis également. Et cette sorte de paradis, c'est les Champs-Élysées. Rien à voir avec les Champs-Élysées de Paris. Oui, Minorité aux portes aussi, oui, tout à fait. Mais oui. Ah, Elron Hubbard a fait du vilain. Hein. Et pourtant, ses bouquins sont pas si mal. Hein. C'était un auteur de science-fiction à la base. Hein. Bon, après, il est parti en cacahuète. Hein. Il a inventé une religion. Mais. Alors, du coup, parce que là, hein, on parle de la scientologie, on va quand même, ça leur fait de la pub gratuite. Ça, on va éviter. Tony Hawk, du coup, est-ce que tu vas participer? Aux côtés de Costa, qui lui aimerait bien affronter d'ailleurs, je le rappelle, Electrical Skateboard et Commande Route. Bon, ça après, on peut toujours envoyer un message à Twitch, hein, mais je pense que Ah, on peut essayer, ouais. voilà, ils vont Je suis répondre, plutôt le jeu sera pour. fini, c'est ça le problème, quoi. C'est ça, il n'a pas le choix. Le pauvre, il n'a pas le choix. Bah non, mais bah non, ça va être très simple. Si t'as pas le casque, eh ben, je rajouterai 15 secondes, ce qui donnera malheureusement, hein, enfin, ou heureusement d'ailleurs, 15 secondes supplémentaires à Costa pour donner la réponse. Mais comme ça compense le décalage de Twitch. C'est une solution comme une autre.
Et là, je vais faire une pub gratuite hein, pour Mixer, du coup. Hein, même, voilà. Mixer, le décalage est limite inexistant. Ouais. Hein, donc, au lieu de faire des applications, messieurs et mesdames de Twitch, hein, prenez-en de la graine. C'est clair. Voilà. Même la qualité, Du coup. Bah il nous en manque un, il manque encore un participant. Après, on va attendre un petit peu, voir s'il y a quelqu'un qui se désigne ou pas. Probable, peut-être, quand s'il a fini de manger. Ou sans ça. Qui doit bien se marrer en disant voilà, ouf, j'ai échappé au passage de ma chanson. Puisque tout à l'heure, je parlais de Dark Souls et donc de Sansa. Et de sa magnifique chanson qui en a découlé. Mais donc du coup il doit bien se marrer, il doit être soulagé et il profite et il a raison. À toute champi. Ça marche, à tout à l'heure. Alors. Sous forme de pendu. Et salut à toi Zariel, comment vas-tu? Salut Zariel. Donc Zariel, hein, comme tu peux le constater aujourd'hui, c'est un question pour un viewer spécial Elder Scrolls. Et je ne suis Ouais, pas on est sur tout Discord seul maintenant. puisque je suis en compagnie de Skyvenild. Il Skyvenild. est au taquet comme ça. Il laisse même pas le temps d'arriver, quoi. Du coup, ben, pour rebondir sur ce que dit Costa, Zariel, est-ce que tu veux participer? Il reste une place pour cette seconde manche. Ah, ça c'est sympa ça. Et ben, Ah, bah, notre merci à troisième toi, Zariel. participant. Parfait. Sont celui de Elser, Tonyox. Ah oui, enfin, si je commence à écorcher les pseudos, ça va pas le faire. Voilà. Alors, nous attendons sur Discord. Ah, mais oui, non, mais non, mais autant pour moi. Oui, t'as pas de casque. Ce n'est pas grave du moment que tu puisses entendre les questions. Le fait d'être sur Discord va te permettre cela. Donc ça ne posera aucun problème. Je viens de t'accorder les rôles Zariel et Tony Hawks. Donc est-ce que tu m'entends bien, Zariel? Bah même question pour toi, Tony Hawks, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout le monde entend bien Sky également? Ça a l'air d'être nickel. Donc on va pouvoir commencer. On est toujours sur la fiche 14. C'est à toi Sky d'ouvrir la question puisqu'on est à Alors, la c'est dernière. parti. Alors, comment s'appelle l'endroit où loge le prince d'Aedra, Hermaeus Mora? Bon, c'est pas forcément la question la plus facile. Ouais. J'avoue que pour le coup, celui qui trouve, GG. Sous Troya. Ouais, Nope. Non, non, non. C'est pas ça. alors 4, 3, 2, Rien. Et ben le prince des draps, alors c'est Hermaeus Mora. Donc, bah, en même temps, quelque part, oui, c'est en Oblivion, hein, mais. Bien, on a précis. Voilà, oui. C'est ça, faut un endroit précis. Donc est-ce que quelqu'un connaît la bonne réponse? Et là, pour le coup, allez à trouver ça. Personne ne l'a? En même temps, oui, c'était une question difficile, j'en conviens parfaitement.
Bah écoute, quelle est la bonne réponse, Sky? Eh ben, c'était Apocryphia. À tes souhaits. Voilà. Non, bon, bah, j'avoue, hein, celle-là, elle était difficile. Fiche numéro 3. Fiche numéro 3, hop. Comment se nomme l'outil de création de mode pour les jeux Morrowind, Oblivion et Skyrim? Ça, par contre, c'est à peu près trouvable. Donc, ce n'est pas open world, bien sûr. Ce n'est pas Barbie Fashion, ni Klaus Barbie Fashion. Non, parce que la mode Klaus Barbie, hein, c'est tout en cuir en général, hein. Un petit peu la mode Gestapo. Bah, pas de bonne réponse non plus, hein, je ne vois pas. C'est, ah, on se rapprochait avec le level editor, on était revenu dans le thème. C'est ça, c'est pas, ouais, c'est pas Barbie Fashion, c'est Klaus Barbie Fashion. Voilà, très bien vu, très bien vu. Merci Costa. Mais en fait, c'était pas non plus la bonne réponse, ni le mode editor, hein, c'était le construction 7. Donc 7 SET, hein. Donc The Elder Scrolls, Construction 7. À toi Sky, pour la question suivante. C'est parti. Alors, la version de l'outil de création de mode fournie avec la version commerciale permet de créer uniquement des mods. Sous quelle extension sont les fichiers? Si vous avez besoin qu'on répète, dites-le. C'est vrai que la question est assez longue. Oui. Donc la version de l'outil de création de mode fournie avec la version commerciale permet de créer uniquement des mods. Sous quelle extension sont les fichiers? Ce n'est pas zip, ce n'est pas gimp ou gimp. Ce n'est pas zap. Non plus. Pensez quand vous téléchargez un mode, sous quelle extension il est? Un mode pour Oblivion, Skyrim. Timer à zéro. Est-ce que Non. quelqu'un connaît la Je bonne réponse? Ce n'est pas DDL, ce n'est pas DLL. Ce n'est pas WinRAR. Non, 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 c'était. Bah vas-y, donne la bonne réponse du coup. C'était en point ESP. Pour ceux qui ont déjà joué à un jeu de l'univers Elder Scrolls, par contre je ne sais pas si c'est la même chose au niveau de Fallout ou quoi. Pour ceux qui ont déjà joué donc à un jeu Elder Scrolls, quand on télécharge un mode, hein, par exemple ne serait-ce qu'un new patch, hein, puisque y a quand, les trois candidats là actuellement sont quand même des mecs. Donc voilà, hein, le new patch est certainement à 99,9%, hein, le mode, hein, qui sera installé en priorité. Bah vous aurez certainement remarqué que le fichier est en point ESP. Voilà. Question donc suivante. Quel moteur graphique est utilisé sur Daggerfall et qui équipe également The Elder Scrolls Legend Battlespire en 97 et Redguard en 98? Non, EPS c'est éducation physique et sportive, rien à voir. En gros, pour un moyen mnémotechnique, hein, pensez à Elder Scrolls Patch, ESP. Pas de bonne réponse non plus pour cette question. Est-ce que quelqu'un connaît la bonne réponse pour ce moteur graphique qui est utilisé sur Daggerfall, Elder Scrolls Legend Battlespire et Redguard? Bon, là, ça, on est d'accord, on a des séries de questions qui sont pas Ouais. faciles. On Mais est d'accord. heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Bon, là, ça, on est d'accord, on a des séries de questions Oui, qui c'est sont pas technique, faciles. ouais, c'est pas évident. Mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est technique, ouais, c'est pas évident.
Alors, personne. Oui, bah voilà, effectivement, Zariel, c'est la X-Engine, oui, tout à fait. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Merci Wikipédia. Fiche numéro 25. Donc, la fiche numéro 25. Avec les Dwemer. Contre qui les elfes des neiges ont-ils été en guerre? Donc là, il y a un indice avec le fait qu'il y ait de la neige, hein, bien sûr. Celui qui ne trouve pas. Non, Non! c'est pas les Falmer là. C'était pas c'était les races. Hein. Vous n'étiez pas en guerre contre le Père Noël. Ni ses lutins et ni les reines, hein, je précise. Et Non, ni les non, c'était bonhommes de pas les neige. Falmer, Pas de bonne réponse non plus. La Reine des Neiges. Si seulement, là, pour le coup de la Reine des Neiges, si seulement, je dirais. Mais non, non plus. Non plus. Ni les bonobos. J'avais pas mal celle-là. Ni. Alors, un truc très intéressant, c'est qu'il. Ah, merci pour les bits, champ. Je crois, oui, champi. Donc, ils ne sont pas non plus en guerre hein, contre les Papous hein, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on habite dans des bambous. Non, ils sont en guerre donc contre les Dwemer, contre les Elfes des Neiges, pardon, et les Nordiques, tout simplement. Hein, les Dwemer étaient donc en guerre contre les Elfes des Neiges et les Nordiques. D'où le fait qu'il y ait de la neige hein, en indice. À toi, Sky. Alors, question suivante. Quelle Daedra du viol, de la domination et de l'esclavage est à l'origine du vampirisme? Alors là, va falloir s'attendre. Attention à n'importe quelle question. Et salut à toi, Zeptor, comment vas-tu? Zep. Oui! Ah oui, on l'a. C'est Zariel, ouais. Ouais, Zariel marque le premier Dernier point, point, son je crois. premier point avec Molagbal. Et merci du follow, Et merci, oui, Zeptor. du follow Zep. Ah, si Zep est là, il doit y avoir une abricote cachée quelque part. Abricote, on sait que t'es là! Quel Daedra a créé la lycanthropie? Quel Daedra a créé la lycanthropie? Oh, t'inquiète. Alors, ce n'est pas Lycan, et effectivement, c'est encore C'est Zahariel qui marque le Zariel, point avec bien joué. Irsine. Deuxième point de Zahariel. Et merci donc du follow Zeptor. À toi, Sky. Alors, comment se nomme le deuxième chapitre de Elder Scrolls? Et ouais. Et oui, Et Zahariel s'envole. ouais. Ah GG Zariel. faut dire que les premières questions hein, que vous avez eu droit à cette seconde manche étaient hyper techniques. Là, on arrive dans des questions qui sont quand même un peu plus simples. Hein. Donc, Ouais. on retrouve les joueurs. Là, c'est bon, on les avait perdus là tout à l'heure, mais là, les participants On sont a de eu nouveau peur, avec hein. nous. Hein. C'est bon, ils sont là. Fiche numéro 21. Ouais, c'est ça. Fiche numéro 21. Comment se nomme l'homme qui tenta de s'échapper au tout début de Skyrim et qui fut abattu par un archer impérial? Excellent. Donc ce n'est pas Kylo Ren hein, non plus. Ah, c'est une question facile. Vous Oh, devriez la plus ou voir. moins quand même, plus ou moins. Elle n'est pas évidente celle-là. Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Donc je répète la question, c'est comment se nomme l'homme qui tenta de s'échapper au tout début de Skyrim et qui fut abattu par un archer impérial? Au moment où on descend de la charrette, hein, au début Ouais. de Skyrim, l'officier impérial cite des noms.
pour pouvoir aller. Hein, ça fait un petit peu comme dans les camps de la mort, hein, butane, propane, on classe, quoi, hein, on met par rang. Et je sais, c'est dégueulasse comme blague. Et du coup, il y en a un, hein, qui s'enfuit et qui se fait désinguer comme une vraie merde. Alors vous pouvez recommencer. C'est ça qui est génial, c'est qu'en recommençant Skyrim, autant de fois que vous voulez, le mec tombe jamais de la même manière. Ça, c'est génial. Alors non, c'est pas Ralof Ralof, c'est un sauvage. Non, c'est pas non plus Albur. Alors le nom est Lokir de Rockinbourg. Rorikbourg, pardon. Oh là là, oui, je sais plus lire. Lokir de Rorikbourg. Je sais plus lire. Ça y est, je deviens vieux. À toi, Sky. Alors, dans Skyrim, quel est le nom du village qui se trouve à la frontière de Vendôme et de Falaise? Cocorico. Non, ce n'est pas Cocorico. Donc le village qui est à la frontière de Vendôme et de Falaise. Elle est pas évidente non plus celle-là. Ouais, celle-là, ouais. Faut la trouver celle-là quand même. Fin du timer. Non, c'est toujours pas Loche, effectivement, ce n'est toujours pas Loche. Loche qui, je le rappelle, est la capitale du Boukistan. Non, Ah c'est pas ben, Fandiver. écoute, je ne sais pas si Rorinbourg est une actrice X, mais vu le nom, ça pourrait. Et ce n'est pas Fordhiver. Du coup, quel était le nom, hein, de cette C'était ville, la village? Pierre de Chore. Pierre de Chore. Oui, du village. Un fort Qu'est-ce... d'été. En même temps, oui, il y a bien Fordhiver. Question donc suivante. Dans Skyrim, comment se nomme le fort militaire de Falaise? Bah non, c'est pas pour l'hiver. Pensez à comment on fabrique un fort militaire et qu'est-ce qu'on y fait quand il y a une attaque. Vous assemblez les deux mots. Et vous avez le nom. Et non. Timer à zéro. Alors, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Donc, ce n'est pas garde-briques. Donc, toi, Champi, quand il y a une attaque sur un fort militaire, tu le gardes. Ou alors, tu jettes des briques, j'ai pas compris. Faut pas compter sur Champi pour gagner une bataille. Et alors, un fort militaire fait en briques, ouais, enfin, c'est un concept, hein. Rempart contre-attaque, non, non. Cham fait le pot, c'est ça. Alors, on est plus dans l'esprit avec le fort Pierre, même si c'est pas ça. Non, non, mais en fait c'était tire-muraille. Hein, qu'est-ce qui, voilà, hein, qu'est-ce que c'est qu'un fort? Ce sont des murailles, hein, en gros, c'est fait de murailles. Et qu'est-ce qu'on y fait en cas d'attaque? On tire sur l'ennemi. Donc tire-muraille. À toi, Sky. Dans Skyrim, comment se nomme le dragon qui trahit Alduin et se soumet au Tuun du Dovahkiin pour l'emmener jusqu'à Skodath? Spiro. Non, c'est pas Spiro, non. Encore moins que Dracaufeu. Non, on est dans Skyrim, c'est pas les Pokémon. Dracaufeu. Non, ni on n'est pas non plus dans le Seigneur des Anneaux. Oui, Zariel. Ouais, bien joué. Bien joué à toi. GG à toi. Donc Zariel s'envole, hein. Ouais. Oui, je vais peut-être faire un imperfect. Bah, de toute façon, oui. C'est quand même pas évident. Il trouve quand même des réponses Ah ouais, c'est clair. qui sont pas faciles. Fiche numéro 5. Dans l'univers The Elder Scrolls, combien y a-t-il de constellations majeures?
Non. Non. Non, non. 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 Non plus. Ah, Costa. Costa, ouais. GG Costa. Costa sauve l'honneur en marquant un point. Effectivement, il y a quatre constellations majeures. Je ne les citerai pas tout de suite, puisque elles apparaissent plus tard dans les questions. À toi, Sky. Dans l'univers The Elder Scrolls, combien y a-t-il de constellations mineures? Et on les a cités tout à l'heure. Non, non, oui. GG Costa. Costa. Ah, il est fort, hein, Costa. Oh, il s'y connaît vachement bien C'est en le Skyrim, roi du en Elder. spam. Ah ouais, en Elder Scrolls, il balade, hein. Bah, d'ailleurs, on va le voir tout de suite avec la question qui arrive, puisque la question est celle-ci. Quelle est la première constellation gardienne dont la saison est Vif Azur et qui est chargée de la protection de la Dame, du Destrier et du Seigneur? Là aussi, la réponse est logique. Dame, Destrier et Seigneur. C'est qui Non, protège c'est ça? Donc pas c'est le pas un mage. curé déjà. On n'est pas loin avec le chevalier, effectivement, on n'est pas très loin. Non. Ah, c'est Et donc Zariel Cost qui. Zariel, j'allais dire Costa. Zariel marque son cinquième point. Et donc Zariel va en finale. GG! GG à Bien joué, toi. Zariel. Les concombres, non plus. 5 concombres. Et oui, c'était donc le guerrier, hein, qui protège la dame, le destrier et le seigneur. Mais cela dit, le chevalier. Oui, c'est ça, mais j'étais plus. Voilà, hein, j'étais habitué à ce que tu marques tellement de points et Tu nous as surpris, Costa. que. Oui, Troisième manche, alors qui veut participer à cette troisième et donc dernière manche avant la finale? Du coup, Costa, Tony Hawk, vous voulez retenter votre chance? Est-ce que Zeptor veut participer Est-ce que également? Zeb veut participer? Ouais, je le sens chaud aussi, moi, Zeptor. Ouais, Zap, il a des connaissances sur Oui, Zeptor. oui, oui. Donc attends, parce que là Tony Hawk m'aimait moi et Costa, donc est-ce que je vous rajoute tous les deux du coup? Parce que je vous rajoute, hein, il n'y a pas de problème. Hein. En fait, Zeptor, on te demandait si tu voulais participer à la dernière manche. Histoire de te changer les idées après certainement plusieurs heures passées sur le logiciel de dessin manga. Qui n'est pas évident. Bah moi, Si je vais c'est. essayer, hein, Costa. Heures plus tard, elle se rescaille. Mais vous allez marquer un point, bordel! Costa, il va y arriver que dans les questions Ouais. spam, Ah bah il a toutes ses chances sur celle qui arrive, en tout cas. Enfin, de ce que j'ai moi. Ah, en cumulé, oui, sur les deux premières manches, effectivement, tu as 3 points. Ah, il y a Zep aussi, du coup, qui m'a joué. Et Zeptor, donc Zeptor, je t'invite à venir sur mon Discord. Je te repasse le lien ici. Alors, pour info, vous n'avez pas besoin de parler. Oui, il n'y a pas Juste besoin pendant de que vous parler. Oui. entendez nos voix. Ouais. C'est nickel. C'est pour la synchronisation à cause du décalage Twitch. Parce Voilà, qu'autrement, justement, il c'est faut que ça. je rajoute des secondes au timer. C'est le bordel. Alors, d'ailleurs, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu es déjà sur mon Discord, Zeptor? Je sais même plus. Ah non. Une bonne question. Non, 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 pas encore.
Donc je t'ai passé le lien, Zeptor, ou alors tu peux descendre dans les informations de la chaîne et tu vas trouver un beau panel hein, marqué Discord. Il suffira de cliquer dessus pour y accéder. T'as pas un marathon prévu, Sky? Un marathon? Ouais, tu voulais pas faire du Assassin's Bah Creed? si, je vais faire Assassin's Creed, mais au mois de juillet, en même temps, quand tu lanceras Ah oui, ah ouais, pas le avant jeu. juillet. Ah. Ouais, le temps D'accord, que d'accord. je me prépare, j'ai toujours pas appris Et les jeux en plus. coucou la Cortana, comment ça va? Coucou à Cortana! D'accord, oui, donc, hein, oui, comme on vient de dire, effectivement, donc, Sky est... qui est venu là. voilà, bref. Comme on disait, voilà, hein, Sky va lancer en juillet un marathon Assassin's Creed au même moment, plus ou moins, où elle et moi allons lancer la série Assassin's Creed. En livre audio, format livre audio, comme nous avions fait Yep. avec Elder Scrolls en début Exactement. d'année. D'ailleurs, Elder Scrolls, il va y avoir une suite, une saison 2. Oui, il y aura bel et bien une suite là. Ouais. Ah là. Avant d'être une merde de Windows, hein, je fais remarquer simplement que la Cortana était un personnage de Halo quand même. Hein, voilà, hein, c'est... Bien, et ben on va pouvoir commencer puisqu'on a nos trois participants. Donc on est sur la fiche numéro 1. Et je pense que, à moins que Zeptor soit plus rapide, mais Costa risque de marquer les points puisque c'est du spam. Je confirme. Donc fiche numéro 1, il Il a commence déjà, commencé au même il a niveau. même pas encore mis la question. Ah mais tu connais The Elder Scrolls, la Cortana? Ou t'as oublié une négation dans ta phrase? Donc première question. Combien de mois comporte une année dans l'univers The Elder Scrolls? Bon bah voilà. Voilà, c'est Voilà. GG Costa. vrai. Ah, j'adore. Donc les 12 mois de l'année sont prime étoile, clair ciel, semaille, onde de pluie, plantaison, milan, au zénith, vif azur, âtre feu, souffle givre, sombre ciel et soir étoile. Voici les 12 mois de l'année correspondant bien sûr à janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est à toi Sky. J'avoue que Deuxième c'est des question. questions faciles pour le Ça, coup. oui, forcément. Combien de jours comporte une semaine dans Elder Scrolls? Super dur. Bon, bah voilà, Super Costa, dur. c'est bon. GG Costa. Bravo, bravo. Faut pas chercher difficile les gens sur ces questions-là. Putain, il gère, Quel hein. génie. Ah, mais grave. Ah, mais c'est pas grave, la Cortana, si tu connais pas. Pas grave, amuse-toi bien, en tout cas. Donc, tu les cites ou c'est moi qui les cite comme tu veux? Eh bien, à citer parce que je ne sais pas, je sais que je les ai oubliés de D'accord. noter. Du coup, alors, oui, effectivement, il y a 7 jours hein, dans la semaine de The Elder Scrolls, oui, qui correspondent effectivement au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et qui sont Mordas, Tyrdas, Midas, Midas d'ailleurs, et qui est quand même un roi grec, hein, voilà. Enfin bref, Turdas, Fredas, Lordas et Sundas. Fiche numéro 27. Ah là par contre, il n'y a pas trop de spam possible donc. C'est pas trop difficile non plus pour ceux Et qui oui, le enfin, roi qui ont fait Midas, les jeux. exactement, le roi Midas. Quel est le nom du second add-on de Oblivion? Ou Oblivion? Quel est le nom du second add-on de Non, Oblivion? Non, c'est pas Costa! des chiffres comme ça. Non, Non.
c'est pas celui-ci. Alors, 2 secondes, 1 seconde et fin du timer. Ce n'est pas Robert. Est-ce que quelqu'un connaît la bonne réponse? Donc Oblivion comporte plusieurs suites, hein, enfin plusieurs add-ons. Est-ce que quelqu'un connaît la bonne réponse? Ce n'est pas Loiret. Oui, Zariel, effectivement, c'est la bonne réponse. Chivring, enfin les îles Chivrin, je sais pas quoi. Ben, Chivering j'ai pas envie de le dire en anglais, ça m'écorche la langue. Donc, très bonne réponse de Zariel. Zariel qui, à mon avis, est un concurrent sérieux pour Champi. Question suivante, c'est à toi. Quel est le nom du second add-on de Morrowind? Quel est le nom du second add-on de Il est fou ce costume. Et salut Galawan, comment vas-tu? Salut Gala. Il reste 10 secondes pour trouver le nom du second add-on de Morrowind. Non, le jeu, Ah oui. Ouais, bah, avait la bonne réponse, effectivement. C'est donc Blood Moon, effectivement. Bien, bien joué, Poab. Malheureusement, Poab ne participe pas. Hein. C'est bien dommage. Hein. Vous parlez chinois tous là. Et oui. Alors, troisième question pour cette fiche. Quel est le nom du troisième de la troisième extension de Skyrim? Quel est le nom de la troisième extension de Skyrim? Juger les levels. Et ouais, bah là il y a trop de monde, je vais pas tous vous Oui. citer. La troisième extension de Skyrim. C'est qui tout à l'heure qui disait qu'il était super fort en Non, champi. Skyrim? Attends. Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est pas celui, pardon. Non, ce n'est Non pas plus. Fire. 3 secondes, 2, 1. Fin du timer. Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Et oui, c'était Eh bien. oui, bravo Champi, tu as le droit au petit bonhomme bourré qui danse. Non, c'était pas Zelda. Bravo Ah, Champi. le petit bonhomme bourré qui danse, hein, qui se cache derrière le chat. À toi, Sky. Alors celle-là est très difficile, hein, par contre. En effet. Alors, Bethesda Softworks se vit dès 90 une grande franchise Celui cinématographique, confié, ouais. pardon. Celui confié, ouais, j'oublie un mot. Je recommence du coup. Oui, Dis des vas-y, ouais. bêtises. Je reprends. Bethesda Softworks vit dès 90, celui confié, je vais y arriver, dès 90, je vais pas y arriver à la sortir. Une grande franchise cinématographique qui donna naissance à 6 jeux, laquelle est-ce? J'espère que vous avez compris du coup. Non, ce n'est pas Indiana Jones. Non, non plus, c'est pas Star Wars. Non. Ce n'est pas E.T. Non, ce n'est pas Indiana Jones. Non, sinon Bethesda n'existerait plus. S'ils avaient sorti le E.T. qui a été enterré dans le désert, réfléchissez quand C'est même. sûr. Hein. D'ailleurs, qu'on a retrouvé il n'y a pas longtemps. Hein. Non, ce Ah, n'était pas c'est Elder Scrolls. Ce n'est pas Jurassic parti Park. des films cultes aussi. Oui, Ouais, oui, oui. sortir. D'ailleurs, il y en a un nouveau là qui va arriver, j'ai entendu. Donc, pas de bonne réponse. Eh bah, si, Poab avait la bonne réponse, effectivement. C'était les Terminators. Ouais, Terminator. film. Poab avait la bonne réponse. Donc, ce n'était pas film de cul, hein, Costa. Tu as les Oui, trucs. Où... donc en 90 c'était le jeu The Terminator, en 95 on avait The Terminator Future Shock, et en 96 on avait The Terminator Skynet. Voilà. Donc le Terminator hein, était un jeu de plateforme aventure sur DOS. Le Future Shock, c'était un jeu d'action toujours sur DOS. Et le Skynet était également un jeu d'action sur DOS. Enfin sous DOS plutôt. Voilà.
pour ce qui était de cette licence de film qui a permis d'ailleurs à Bethesda de pouvoir ensuite être tranquille. Costa. C'est marrant, on la fait toujours cette blague. Je t'avais pas fait une affiche de ça d'ailleurs. Si, en plus, ouais, je t'avais mis ma tête. Comme c'est pas ça, c'est la blague du whisky. Avec Ah le Sky. oui. Fiche numéro 10. La fiche numéro 10. Donc, En fait, la Cortana, là, la question précédente, c'était Bethesda, bon, est une société qui a fait Fallout, qui a fait Elder Scrolls, etc. Mais avant tout ça, à ses débuts, elle s'était vue confier les droits cinéma, enfin les droits pour d'un film, enfin d'une série de films, avec laquelle, oh putain, j'arrive plus à parler non plus, moi, dis donc, une série de films avec une licence de film avec laquelle ils ont fait plusieurs jeux, 6 jeux notamment. Donc là, on en a cité 3, hein. Cette licence, c'était donc Terminator. Voilà. Donc fiche numéro 10. Quel jeu de la licence Elder Scrolls permettait aux joueurs de découvrir le monde souterrain de Tamriel et proposait un mode multijoueur unique? Jeu qu'on a Pardon pour cité l'écho. tout à l'heure. Non, ce n'est pas Arena. On l'a cité quand on parlait du moteur graphique, qui était la X-Engine. Mais de rien, la Cortana. Bah non, c'est pas la X-Engine, mais on parlait tout à l'heure de la X-Engine, et j'ai cité le nom de ce jeu. Et donc le timer est arrivé à zéro. Vous pouvez répéter la question, mais tout à fait. Quel jeu de la licence Elder Scrolls permettait aux joueurs de découvrir le monde souterrain de Tamriel et proposait un mode multijoueur unique? Voilà la question. Mais le timer est arrivé à zéro. Personne ne l'a. Bah, en fait, c'était donc The Elder Scrolls Legends Battlespire. Non, c'était le Battlespire, un jeu sorti en 97. Donc ce n'était pas Ouais, le ça doit Metro être 67. le retour de son live, la Corte. Ah, on entend le retour de... Ah bon? Ouais, parce qu'elle dit qu'on entend un écho en arrière-son. Ah bon, alors je baisse un peu. Merci en tout cas du retour, la Cortana. À toi, Sky. Question suivante. Alors, quel jeu de la licence fut en 2002 élu meilleur jeu de rôle de l'année? Très facile. Non, c'est pas que voilà, non plus, c'est pas Oblivion, c'est ni Skyrim. En 2002, les gens. 2002. Eh oui, La bonne réponse est Champi. apparaître. Et c'est donc Tony Hawk qui fait un magnifique copier-coller de Champy et qui marque son premier point. Bien joué. J'ai. Quel jeu débarquant sur console et PC en 2006 fut élu meilleur jeu de l'année? Bah oui, donc voilà, c'est fait. Là, voilà, là c'est Costa. Avec Oblivion, effectivement, en 2006. Fiche numéro 7. Bah oui, sérieux, oui, effectivement, c'est toi. Si, Zeptor participe, hein, Zeptor participe. En même temps, il disait qu'il était sur un logiciel de dessin de manga, donc il est peut-être absorbé par autre chose et rigole hein, des non-réponses données aux questions, c'est possible, hein, je sais pas, j'en sais rien. Ah, l'important c'est juste hein, de participer, de s'amuser, et puis voilà. Après les réponses c'est anecdotique. Ça permettra juste hein, de faire chier d'autres streamers plus tard. Donc fiche numéro 7. Alors, dans Vas-y, vas-y. l'univers Elder Scrolls, de quel continent de Nern sont originaires les lames?
Ah, j'aime beaucoup ces questions. J'aime beaucoup ce continent d'ailleurs, que j'ai cité tout à l'heure quand je parlais de la planète et des continents. Très sympathique. Non, c'est pas l'Asie. Bah ça s'en rapproche, hein, champi. C'est vrai que c'est très japonisant, hein, comme culture. En tout cas pour les lames. Bon, tu peux le marquer, Gala, tu peux le marquer si tu connais. Oui, tu t'as le droit, hein, Gala. Après, il faudra qu'ils fassent un copier-coller dans les 2 secondes qui restent, c'est tout. Bah, de toute façon, ils ont plus le temps maintenant. Oui, effectivement, donc effectivement, Galawan, c'était le continent d'Akavir. Ouais, très bien, très bien. Très très bien. Question donc suivante. Dans l'univers Elder Scrolls, quel animal? Donc on cherche. Donc déjà, excluez tout de suite les Pokémon. Je ne veux pas en entendre parler. Dans l'univers Elder Scrolls, quel animal originaire d'Akavir ont suivi les Akavirois sur le continent d'Atmora, puis dans la région de Skyrim en Tamriel? Donc ce ne sont pas les chiens ni les chats. Ce ne sont pas les dragons. Les dragons, je ne connais pas les dragons. Ah là par contre je connais, effectivement. Dragon, oui je connais. Oui, ce sont les dragons. Les dragons sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, originaires du continent d'Akavir. Bon, c'est ça, c'est des espèces de dinosaures, hein, plus ou moins. Mais Tony Hawk Les savait cafards, également la bonne réponse. n'importe Et les cafards pouvaient quoi. également être accrochés aux pattes des dragons, c'est possible aussi. Les moutons et les bouffons, je n'en sais rien, mais voilà. Question suivante à toi, Sky. Avec la mort de quel empereur s'achève la troisième ère de Tamriel? Elle est donnée, celle-là. Ouais, mais Non, champion. alors c'est pas Tibère. C'est ni Caligula, ni Claude, ni Néron, ni Galba, ni Otto, ni Vitellius, ni Vespasien, ni Titus, ni Domitien. Hein. Voilà, pour ce qui était des premiers empereurs romains, et encore moins Adrien, hein, celui qui a suivi. Samuel des rois, non? Vu que le mec s'appelle Tibère. Non, ce n'est pas moi. Ah, Galawan a Mais la bonne c'était. réponse. Et oui, effectivement, mais bon, voilà, le timer est à zéro, hein, depuis un petit moment maintenant. Effectivement, c'était Uriel Septime 7. Fiche numéro 18. C'est à toi. Alors, dans les Elder Scrolls, un personnage Khajiit apparaît souvent. Quel est son nom? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait Oblivion et je l'ai croisé, ce Khajiit. Michel Edouard. Non, Donc, c'est marrant. ce n'est pas Michel Edouard. Donc c'est effectivement un Khajiit, hein, qu'on rencontre pour la première fois dans Morrowind, qu'on retrouve dans Oblivion et qu'on retrouve aussi dans Skyrim à chaque fois. Depuis, il est là, hein, il se Christelle. balade. Et Gala a la bonne réponse. Donc ce n'est pas Christelle, hein, bien sûr. Donc fin du timer, malheureusement. Donc effectivement, c'était comment c'était C'est Mike le menteur. voilà, Mike. mec le On sait menteur. pas trop. Mike. Ouais. Mec. Dans Tu l'univers connais. Elder... De quoi? Non, pardon, excusez-moi. Non. Dans l'univers Elder Scrolls, comment sont nommés les orques? Malik le mytho sur Paname, c'est ça, c'est ça. Et Et Champi a la bonne Champy a réponse. la bonne réponse. Orc 1, Orc 2, Orc 3, Orc 4. Bah, j'espère qu'ils sont pas plusieurs millions, hein, parce que ça risque de faire du vilain. Et donc là, t'as fait un magnifique copier-coller. Et ben, c'est toi, Costa. Non, c'est pas possible. Costa en finale? Non. Incroyable. C'est donc Costa qui est en finale. Va juger Costa. Bravo à toi, Costa. Je te remets le petit mec content et bourré. Là, voilà, il est heureux. C'est parfait. Oh, très bien, très bien, très bien. Effectivement, c'était donc Orsimer, hein, pour la réponse. Ouais, de toute manière, eux, quasiment toutes. Hein. À part les. En gros, à part les races humaines, toutes les autres terminent en R, puisque toutes découlent plus ou moins des elfes. Donc. Eh bien, c'est la finale!
Est-ce qu'on fait une petite pause ou un pipi caca machin ou est-ce qu'on y va tout de suite? Moi, je veux bien une pause pipi, ouais. Ah, la pause L'avis pipi de la pour Sky. Lucie. Pause pipi pour Sky. Donc on va faire une petite pause hein, de 5-6 minutes et on revient de J'en ai pas suite. content. À tout de suite. Je coupe le micro. Ouais. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always. Ouais, les jeux vidéo me font pas peur. Oh putain, ta mère! Hey Gaspard, depuis tout à l'heure je suis sur Facebook et on n'a pas d'amis quoi. Ce serait peut-être temps qu'on se fasse des copains. Hein. Ou les copines.
Et on est de retour, et donc Costa laisse gentiment sa place à Galawan pour avoir un duel Galawan-Zariel. Je trouve cela très fair play et vraiment bien, hein, parce que du coup, on va avoir un magnifique duel de champions entre Champi-Zariel et Gala. Donc Gala, je t'attends sur Discord. Je ne sais même plus si tu es sur mon Discord, il y a des gens que je ne sais plus du tout... C'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc dans le pire des cas, je te repasse hein, le lien Discord. Voilà, il est tout en bas de la liste. Donc je t'attends, Gala, sur Discord pour qu'on puisse commencer. Et donc ouais, hein, c'est vrai que la petite pub de Sansa, elle est épique. Hein. Je suis bien d'accord. Ouais, moi les jeux vidéo me font pas peur. Oh putain ta mère. J'adore. Je me suis fait plaisir sur celle-là. Alors, nous attendons toujours Gala. Où es-tu, Gala? Il est là. Le voilà. Voilà, tu as. Oui, ouais, c'est bon, Gala, je t'ai trouvé. C'est bon. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien pour la finale? Zariel est-il toujours là? Oui. Gala aussi. Et Champi également. Zeptor, malheureusement, n'a pas fait de points sur la dernière manche. Enfin, en même temps, il était occupé. Donc voilà. Donc on va pouvoir y aller, c'est parfait. Je sais pas si Zariel est prêt du coup, je vais fermer cette fenêtre. Ah bah oui, j'ai pas fait attention. Ferme vite tes fenêtres, prends ton temps tranquille. On n'est pas pressé. Ça fait. Comment ça je chante du tragédie? Ça ferait bien chier ça. Bon, cela dit, c'est toujours mieux que les Poetic Lovers, hein, mais quand même, pas déconner. Tant que c'est pas du tout Be Free, tout va bien. Hein, tout va bien. Il manquerait plus que ça. Ah bah, il manque exactement, ou du Jou là, oh là là, ah. Mon dieu, oh là. Du coup, vous êtes prêts? Il y a question, c'était à mon tour, je crois d'ailleurs. Oui, il me semble que c'est à ton tour. Et si un jour vous me voyez faire du Squeezie, tuez-moi. Donc c'est à toi, vas-y. Donc première question de cette finale. Quel emblème est l'emblème de la ville de Solitude? Question facile. Oui, Gala. Ouais, c'est Gala qui a le point. Effectivement. C'est le loup hein, qui a mangé le père de Jacouille la fripouille à la sortie de la taverne de chez Duchesneau. Et Dixit les visiteurs. Et donc oui, le loup est l'emblème de la ville de Solitude. Donc on est à la question suivante. De quelle province de Cyrodiil est originaire la race des Khajiits? Honte à toi la Cortana, honte à toi. Ouais, j'aime bien aussi. On t'a vous deux. Donc c'est Champi hein, qui marque le point avec Elsewhere hein, mais bon, on comprend. Ouais, c'est parce on qu'il comprend, a tapé vite. Voilà, il a voulu taper vite. Mais effectivement, c'est Elsewhere. Fiche numéro 13. C'est Fiche à toi. Numéro 13. Alors, dans Skyrim, combien y a-t-il de races jouables? 15, pardon. Ah, la fiche 15. Oups. Tenez pas compte de cette question. Si vous avez la réponse, gardez-la pour sortir plus tard. Je me prends avec la nouvelle question. Alors, combien de temps dure la première ère? Ouais, une question spam. Oui. Non, Gala. Non, c'est un peu plus. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Ah, Costa n'aurait pas laissé sa place, il aurait pu spammer. Non, c'est encore plus, c'est encore plus. Ouais. Faut encore monter. Hein. On se met à quoi, 10 ans près? Ah, 2300. Pas loin, Costa. On n'est pas loin avec 2300.
Malheureusement, le timer est à 0. Ah, dommage. Dommage, ouais. Donc, c'était pas loin, pas... c'est pas Galactus. loin, ouais. 2360, 2350, c'était pas loin non plus, mais toujours au-dessus des 10 hein, qu'on s'accorde. C'était quoi? Combien de temps ça dure? C'était 2320 ans. C'est dommage, 2320 vous ans. étiez pas Ouais, loin. ils étaient pas loin. Question suivante. Quel personnage provoqua la crise de Oblivion? Ou Oblivion? Quel personnage provoqua la crise de Oblivion? Non, Non. c'est pas ce type. C'est le Ce n'est grand pas Tom méchant Cruise. de Oblivion. Ce C'est n'est pas Gala, lui. Gala qui l'a. Oui, Gala, ouais, Meryn Dagon, effectivement. Bien joué. Deuxième point pour toi, Gala. À toi. Et Ensuite, merci comment... pour les cheers. 300 la Cortana, mais tu es folle. Merci beaucoup. Merci J'ai beaucoup. les tirs. Ça fait beaucoup de J'ai testicouilles, ça. Ça fait quand même 600 testicouilles. les... En colissimo recommandé ou pas? Ah oui. Ça va faire lourd, hein. Merci beaucoup. Alors, comment sont surnommés les Dwemers? C'est Dariel qui Oui, l'a. non, moi j'ai Ah Galawan en non, c'est premier, Gala, oui, ouais. pardon. C'est Gala qui Gala l'a. marque effectivement le premier point, son troisième point. Alors pourquoi? En question subsidiaire qui ne fera 0 point, mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils sont surnommés les nains? Pas tout à fait, mais c'est effectivement par rapport aux géants, parce qu'en fait la première race qui les ont vus, c'était des géants. Ouais. Voilà. C'est con, hein, parce que maintenant les géants, ils ont plus ou moins quand même disparu. Enfin, bref. Alors, question suivante, on est à la fiche 12. Et c'est à toi. Alors, à quelle date fête-t-on dans Elder Scrolls le festival des armes qui célèbre la victoire du premier Rouge Garde face à une race de gobelins géants? C'est pas le 26 juin. Ben oui, non, c'est pas le 26 juin du tout. Par contre, comment se nomme juin dans le monde Elder Scrolls? Oui, Zoriel! 26 Ouais, j'ai semailles. fait. Bravo, franchement, Vache. celle-là, je m'y attendais Vierge. pas. Waouh. Alors là, franchement, trouver ça, je m'y attendais pas du tout. C'est vachement bien joué. Waouh. Là, il y a du niveau. Ah, c'est clair. À quelle date fête-t-on le jour d'invocation de Malakath? Non, mais on n'est pas loin, Costa. Mais c'est pas le 13 novembre. Non, c'est une connerie, hein. Et oui, Zariel. Effectivement, c'est le 8 souffle-givre. La réelle remonte. Hein. Je sais pas comment il fait pour trouver ça. Mais bravo. Franchement, bravo à toi. Là, celles-là, elles sont pas évidentes comme question. Très bien. À toi, Sky. Alors, combien de jours comporte le mois clairsienne? Non. Oui, c'est Gala. Ouais, Gala, GG. Galawan, effectivement, bah c'est comme les mois chez nous. Hein, voilà. Tous les mois à 30, 31 jours, sauf un hein, qui en a 28. Et c'est pas dit, mais aussi bien, même dans Elder Scrolls, tous les 4 ans, hein, Clair Ciel comporte 29 jours. C'est possible. Attention, peut-être la dernière question. Avec une question spam, certainement. Donc le premier qui arrive à faire le parallèle avec nous, hein, avec notre calendrier à nous, soit remporte le point et donc gagne la partie, soit marque un point et peut retarder l'échéance. Combien de jours y a-t-il dans une année dans le monde de The Elder Scrolls? Costa, il est au taquet. Et César Ariel
qui est en tête, effectivement, avec 365 jours, et qui repousse l'échéance. Il repousse l'échéance et se rapproche dangereusement de Galawan. Fiche numéro 26. Numéro 26, que je la trouve, elle est là. Alors, quelle race elfique est une branche dite marginale des elfes et dont le nom signifie peuple tropical? Ouais, Zariel. Sans déconner. Zariel. Ouais, il l'a trouvé. Putain, mais Zariel égalise avec Gala. Oh là. Alors, ce qui est super, c'est qu'en fait, quand ce sont des questions qui touchent, on va dire, l'univers proche de nous, hein, voilà, de... Ouais. Enfin, proche par rapport au contenu du jeu, hein, c'est plutôt Gala. Et dès qu'on arrive à rentrer un peu plus dans le Schmilblick, c'est plutôt Zariel. Bah, c'est vrai que quand on a les bouquins, forcément, ça aide. Ça aide, ouais. Comment appelle-t-on les Etada, donc les esprits originels, qui ont participé à la création du plan mortel? Donc ce n'est pas Omar Sharif. Oh putain, c'est Zariel. Zariel coiffe sur le poteau Galawan avec les Aedra, effectivement. Ce sont les Aedra, les Aedra, qui sont donc l'opposé des Daedra, ouais, et qui ont participé donc au plan mortel. Bon, suite à cela... Les Aedra vont se scinder en deux parties, deux groupes bien distincts. L'un qui garde leur immortalité et l'autre qui veut perdre son immortalité pour vivre au niveau du plan mortel. Et ils portent un nom, ces gens-là. Je n'ai plus le nom en tête, malheureusement. Je vais vous retrouver cela. Sauf si ça apparaît sur le chat. C'est un nom à la con en plus. On appelle ça des cons. Oui aussi, ouais, non mais oui, ouais. Non, après, c'est une autre façon de voir les choses, mais pas forcément des cons. Mais... On s'en rapproche, hein, cela dit. Ah oui, les El No Face. Elnophase, qui sont donc cette partie du groupe de Aedra qui abandonnèrent leur immortalité pour rejoindre le plan mortel. Voilà, donc... Ce Maï, c'est joué ou pas? Ce Maï, c'est... Non, c'est... Non, ce Maï, je crois que c'est... Pas c'est Mars. Non, ce Maï, non, ouais, c'est plutôt Mars, soit Mars ou Avril. Au moment c'est, où c'est le moment du printemps, hein, puisque ce Maï semé... Ouais, c'est Mars, donc, c'est Mars. C'est plutôt... Voilà, on est plutôt là-dessus. Donc, c'est Zariel hein, qui remporte ce QBV Event Elder Scrolls. Et qui coiffe sur le poteau Galawan. GG à toi. GG d'ailleurs aussi à Gala, hein, qui a donné de très bonnes réponses. Donc, comme d'habitude, de petits goodies hein, que tu as gagné. Notamment un puzzle de Tamriel. Donc l'avantage, c'est que plutôt que d'avoir un poster, il y a aussi ce côté ludique où il va falloir construire ton puzzle. Après, tu peux les coller, hein. Tu peux te faire un beau truc, un beau encadre et tout. Et un mug hein, également, plus des petits trucs qui vont avec, comme d'habitude. Champi, Gala, je vous donne une clé. Donc c'est... Par contre, j'ai pas de nain à disposition, donc ce sera pas un nain qui vous donnera la clé. Voilà. On n'est pas dans Fort Boyard, pas déconner quand même. Ouais, on peut pas tout avoir non plus. Hein. C'est pas possible. Hein. En plus, trouver des nains, c'est pas forcément évident. Ils sont pas joueurs hein, des fois. Alors, du coup. Alors, Gala, quelle clé je vais te donner? Voilà, Gala One. Il est là, je te passe ça de suite, Gala. Voilà. Donc, bien sûr, hein, tu me dis si la clé passe ou pas, machin. Comme d'habitude. Je vais ranger mon... Je vais éviter de me planter après. Ensuite, Champi. Déjà, voilà.
C'est vrai que le terme nain n'est pas apprécié, surtout pour ces personnes-là. Je préfère qu'on dise des personnes de petite taille. Ouais, bah, né d'un de petite taille, c'est redondant, mais voilà. Bon, après, c'est pas méchant. Des personnes comme nous dire des nains, mais c'est bon. Ça peut les gêner. Ouais, bah, c'est. En même temps, le terme scientifique, c'est le nanisme, hein. On dit pas les petites personnes. Les hommes de petite taillisme, hein. C'est, voilà. Bizarrement, les nains trouvent ça insultant. Donc... Je comprends, mais après, voilà. Alors, champion. Lancer de nains était interdit. En France, pas en Belgique. Sachez-le. Hein, si un jour vous savez pas quoi faire, hein, bah, je sais pas, hein, un enterrement de vie de garçon ou de fille d'ailleurs, une soirée arrosée entre potes, hein, vous allez en Belgique et faites des lancers de nains, vous allez voir, c'est rigolo. Donc Champy, je t'ai passé un jeu également, hein, donc tu me diras si ça passe ou pas. Alors je range en même temps, hein, parce que j'ai pris des... Voilà. Très bien. Pardonner trois fois les mêmes clés, ce serait un peu con quand même. Pour le coup, ça passerait pas. Ben, tu vois, si, moi, j'avais un peu peur de pas avoir assez de questions, mais au final, si, c'est très bien passé. Ouais. Là, je me dis, j'avais un peu peur qu'il y ait pas, que beaucoup restent sans réponse, notamment les dates. Ah non, franchement. Mais là, ouais, j'ai été surpris. Ouais, ouais. Merci du retour, Champy. Ouais, non, très bien, très bien. Eh bien, petit rappel, hein, avant de se quitter, que Zariel remporte donc le Impulse de Tamriel, hein, qu'il pourra faire soi-même, et d'ailleurs il pourra prendre des photos, hein, quand il aura tout fait, tout collé, ou enfin bref. Il aura fait ça tout propre, hein, il nous prendra une belle photo encadrée, ce sera mignon comme tout. Ainsi qu'un mug et d'autres goodies qui seront. Que je n'ai pas encore, hein, d'ailleurs. C'est pour ça, hein, que je dis d'autres qui seront à venir, c'est parce que je ne les ai pas encore reçus. Merci la poste, hein. SNCF fait grève, mais c'est vous qui livrez en retard. Enfin bref. Donc quant à Gala et Champy, ils ont reçu leur clé, j'attends les retours. Donc Champy m'a fait le retour pour ça, pour que la clé, en me disant que la clé fonctionne bien. J'attends le retour de Gala, parce que bon, si la clé ne marche pas, bien sûr j'en donne une autre, hein, y a pas de problème. Quant à moi, prochain live, hein, donc vraiment vraiment live comme là aujourd'hui, hein, donc ce sera dimanche prochain avec un Génération Télé 13h également. Sinon là, cette semaine, je rappelle, demain à partir de 16h, ce seront des programmes, hein, là par contre, avec conférence sur l'Antiquité romaine, avec au programme, je le rappelle, comme je l'ai dit encore une fois, à partir de 16h, le Colisée, à 17h, les sports durant l'Antiquité romaine, à partir de 18h30, le stade de Domitien, et donc le rapprochement qu'il y a avec la ville de Rome actuelle, hein, les bâtiments actuels, en fait, on voit parfaitement le stade. À 20h, le siège de Marseille, hein, qui met fin à la guerre des Gaules de Jules César. À 21h, l'enseignement à l'époque de l'Empire romain. Et à partir de 22h30, le mausolée d'Adrien. Ce sont donc des conférences organisées par le CIREV et UNICAN, donc l'université de Caen, que je vous invite à suivre sur YouTube également. Mardi, We Mamba Me en ciné gaming à partir de 21h. Mercredi, jeudi, vendredi, on va avoir Far Cry 3, 4, 4 Primal et 5. Voilà. Donc le Far Cry 4 sera donc le mercredi, Primal le jeudi et le 5 le vendredi. Et donc Génération TV dimanche à partir de 13h. Quant à Sky, quelle actu as-tu? Pour ma part, je continue mon place au viewer sur la suite de Dead Space 2. Je n'ai pas encore fini, il me reste 6 épisodes, je pense. Et sinon, vous me retrouvez possible pour du Destiny 2 ou tous les vendredis aussi, je fais du Forza Horizon 3. Et c'est un peu plus cool. Et au mois de juillet, il y aura mon marathon Assassin's Creed. Et puis voilà.
à peu près tout ce qu'il y a sur ma chaîne. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Le concept de place aux viewers est franchement sympa. Ça va te ruiner, ça. On verra, on verra. Ça va, c'est que les jeux de 360 sont plus trop chers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça devrait aller. Ça devrait être abordable. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents sur le chat. Merci à Champy, Zariel, ouais, Gala, Zeptor, Tony Hawks, Costa et ses spams d'avoir participé. J'espère que j'oublie personne parmi les participants en tout cas. Ensuite, merci à Sansa qui est toujours là en fufu, hein, qui a dû bien se marrer en voyant sa pub. Merci à Poib, à Zeptor. Non, je l'ai cité déjà tout à l'heure puisqu'il a participé. Merci donc quand même à Zeptor puisqu'il est sur son dessin manga. Merci à la Cortana et donc bah merci à tous, hein, je vais pas tous vous citer parce qu'après on a fini plus. A plus de fin, puis je vais me répéter surtout, hein, j'ai plus de mémoire, moi je suis vieux, moi, c'est trop récent, hein, c'est pas intéressant. quand c'est récent, c'est pas intéressant. bah, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end. Donc, un bon dimanche. Un bon dimanche, hein, sous vos applaudissements, comme disait l'autre. Hein, Jacques Martin, si tu nous regardes, fais ce que tu veux, hein, ça, tu ne regarderas pas de toute façon. ouais, plutôt Michel Drucker, hein, si tu nous regardes, ce sera plus sympa. Hein. Et donc, à bientôt sur les différents lives de Intel et Intel. Hein. Je pense que je vais faire un petit host chez Black, que j'ai oublié, pour le coup, de remercier de sa participation et d'ailleurs de sa victoire, hein, qui a permis à Champy d'accéder à la finale, puisque Champy était second à ce moment-là, et que Black lançait son marathon. Donc on va faire un petit tour chez Black. Oh, attends, faut que je le trouve, faut que je le trouve, Black. Hein. Faut quand même que je le trouve. C'est pas gagné. Ouais, Black qui est en plein marathon Dark Souls et qui a commencé le 3. J'ai oui, été voir un peu ce matin. Très intéressant parce qu'il connaît bien le jeu, il donne plein de petites astuces, il explique bien le jeu. Très sympa, allez voir. Alors. Merde, par contre, j'ai carrément zappé son pseudo. Attends, c'est Black X. C'est Off Earth, ouais. Black X, Off Earth. Bon, X derrière. C'est vrai qu'il a un nom un peu long. Oui, un peu. j'ai tellement l'habitude en fait de marquer Black que j'ai carrément oublié son vrai nom. C'est horrible. bah, je vais le retrouver. Soyez patient. Alors le pire c'est qu'il apparaît pas. Dans la liste. Est-ce que je l'ai. Alors, il apparaît dans mes. Attends, je te le note sur le. Ouais, vas-y. Ah, il y a un mec qui s'appelle Black Desert Online, voilà. Officiel. Très bien. C'est ça, c'est. Tu l'as mis où, du coup? Sur le chat du stream. Ah, pardon. Ah, voilà. C'était Star que j'oubliais. Oh putain, je savais bien qu'il y avait un truc. Donc on va faire un petit raid hein, chez Black. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà. Et on va se quitter là. En tout cas, merci encore à tous d'avoir participé. Merci à tous d'avoir été présents. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. À plus tout le monde. Merci à toi Sky. Avec plaisir.